Bonsoir et bienvenue pour Ori and the Blind Forest. Voilà, petit changement aussi de cadre, comme vous pouvez l'apercevoir. Adieu le petit bonhomme de At In Time. Ok, donc qu'est-ce que j'allais dire? Oui, bien, alors pour YouTube, évidemment, là on est en janvier, mais comme je sortirai ces VOD une fois que les Let's Play Final Fantasy seront terminés, vous verrez ça en février, normalement, si tout se passe bien. Voilà. Alors je connais rien du jeu, je sais que le jeu est très joli, ça j'ai pu le voir. Mais j'ai jamais vu de séquence de gameplay, pour moi déjà c'était un jeu de plateforme, finalement on m'a dit qu'il y avait du Metroidvania. Mais le jeu a été très adoré par plein de gens, on me l'a offert à Noël, du coup j'y joue. Et aussi parce que de toute façon j'avais déjà prévu de le faire un jour ou l'autre. Et puis voilà, la musique aussi on m'a dit qu'elle était magnifique et tout ça, je l'ai déjà entendu mais en fond de stream, donc voilà, je n'en sais pas plus. On va complètement découvrir, j'ai réussi à ne rien me spoiler pour le coup, donc c'est cool. Donc c'est parti, on va jouer en normal, hein, on va pas se prendre la tête. C'est parti pour le premier jeu, streamé en 2021. Nous n'oublierons jamais la nuit. Ou dans la tempête, je perdis, pourri. Et l'avantage c'est que, bon déjà ce jeu je vais très certainement l'aimer, hein, il a été adoré par plein de monde, mais même si je suis pas trop fan, imaginons que ça arrive, ben je sors de Cyberpunk, donc le jeu sera forcément mieux, donc de toute façon, bébé, il est lourd le monsieur, c'est pas très haut, ni d'hirondelle. Salut Sacha. Où Naru prit ma lumière en son sein. D'accord. L'État paiera. Comme un enfant qui était sien. Je lis ton message juste après, Dramo, merci pour le reçu. Pour les 29 mois. Bientôt 30. Déjà moi à la base je pensais que c'était un renard, hein, Ori. Ok. Alors, je ne peux pas rester parce que je veux éviter le spoil, mais je me resub tout de même en te souhaitant un bon jeu, mon cher Lund, et en admirant ce nouveau cadre de cam que je trouve très joli au passage. Et bien merci, c'est très sympathique. Je l'ai fait tout à l'heure en 5 minutes. Parce que j'en avais marre de l'ancien. Pour changer un petit peu du personnage de At In Time. On garde la notion chapeau, hein. On perd la notion danse. Ouais. Mais c'est aussi pour rappeler quand même que Final Fantasy IX est le meilleur jeu du monde. X. C'est bon. Waouh, il y a plein de fruits. Miam 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 miam. Après l'effort, le réconfort. Je me casse. Allez, salut. En cette si terrible nuit. Je
Mes flammes embrasèrent le ciel. Où j'appelais Ori de plus belle. Rien à manger. Personne ne me répondit. Ah oui. Effectivement. D'où le titre Ori and the Blind Forest. Ah, parce que ça s'est empiffré, hein. Et maintenant, avec les mois qui s'égrenaient, pardon. La vie s'étiola, ce fana. Effectivement, t'as le logo sub, Sacha, mais y a pas eu l'alerte. Ouais, bug qui. Twitch qui bug, ce serait étonnant. Dans l'ombre aveugle de la forêt. Blind Forest. Non, vas-y, je peux mourir, mange. Et une lueur d'espoir scintilla. Du coup, il est mort? Ou pas encore? Il n'est pas encore mort. Ah si. Si, il y a la musique triste et tout. Il marche au ralenti. Triste. Press X to revive. Une âme à nouveau orpheline. Sans raison, de rester ici-bas. Ma lumière, Ori rechercha. Il commence à parler comme un poète. Si frêle, pâle, presque infime. Oh non, pas déjà un game over. Le silence répondait aux pleurs.
L'espoir avait quitté son cœur. Mon pauvre petite boule de poil. Et lorsque faiblit mon enfant... Allez, il y a un kebab au bout. Vas-y, tu peux le faire. Un dernier soupir se perdit au vent. C'est bon, on a gagné. C'était cool le jeu. Et bah j'espère que ça vous aura plu. Ma lumière raviva Ori et la vie renaquit. Partie sauvegardée. Faut vraiment aller de ce côté-là, c'est pas naturel, les scrolls à gauche. C'est marrant comment ils sautent. Un tiens, un pour descendre. Déjà, il y a un truc là. Tu as trouvé un petit brasier de lumière spirituelle. Ta jauge jaune. C'est rempli de lumière spirituelle, trouvez-en d'autres pour obtenir des points de compétence plus rapidement. Très bien. Oh bah on passe à Nier Automata. Et non, du coup. Ouf. Oula, ça c'est danger ça. C'est beau mais c'est danger. Saute pas assez haut pour passer au-dessus. On va très certainement une compétence plus tard pour passer ce truc là. Ok, donc l'eau, ça fait mal. Ça. Ah, ça rend de la vie. Et ça, cellule d'énergie, tu peux à présent récupérer et consommer plus d'énergie. Utilise cette ressource pour créer un lien d'âme et sauvegarder ta partie. Ah oui, et du coup on peut plus sauvegarder là. Putain, c'était quel jeu qui faisait ça? C'était comment il s'appelle? Zaybut Pixels. Que j'avais fait en stream, mais pas en VOD. Si, je sais plus. Mais très cool le jeu. Zaybut Pixels. J'avais bien aimé justement cette idée. Lien d'âme prêt, tu as gagné un point de compétence. Crée un lien d'âme et appuie sur B. Ah ok d'accord. Faire ça. Au cœur de la forêt, Ori trouva ce qui avait été perdu. Et donc là, je peux mettre un point. Donc là, ça... alors attendez, parce que, oula. Pour partir dans un arbre, faut étudier. Question. Donc, des flammes. Trois flammes avant de pouvoir recharger. Augmente la puissance de flamme. Accroît le rayon et les dégâts de flamme attisés. Flamme spirituelle touche deux cibles. Bon, ça, a priori, c'est des dégâts de flamme. Hein. Ensuite, on a... La plupart des objets à récupérer flottent vers Ori. Ok, donc ça c'est aspirateur dans Warframe. La plupart des bonus s'affichent sur la carte. Les bonus de vitalité récupérés octroient deux fois plus de vitalité. La plupart des bonus sont récupérés automatiquement. Bonus d'énergie récupéré octroie 50% d'énergie en plus. Les cellules de compétences s'affichent sur la carte. Donc ça permet de réutiliser les liens d'âme et réduit le temps de recharge. La création d'un lien d'âme rétablit... Une cellule de vitalité. Réduit de moitié le coût de la flamme attisée. Permet à Ori d'utiliser Sprinter là. Mais tout ça, ça nécessite des trucs. Pour ça, ça nécessite Brest qui est... Et où? Non, Brest c'est ça. Ah oui, d'accord.
Ça nécessite braise, ça nécessite flammatiser et rassemblement. Rassemblement, c'est là, et flammatiser. Vous foutez pas de ma gueule. C'est où flammatiser? Ils veulent dire flamme étincelante. Ah non, brûlure de la flamme de flammatiser peut-être. Ok, ouais, donc en gros, on peut pas juste bourrer un arbre, quoi. Il y a forcément. On va prendre ça pour l'instant. Et ouais, il y a forcément des petites nécessités, des prérequis et tout ça. Mes forces me reviennent. Je suis pas du tout un plagiat de Zelda. La lumière et les yeux de l'arbre aux esprits. Sane. Lorsqu'elle a relâché son emprise, je me suis retrouvé ici égaré dans ce vallon. Je peux te guider tout au long de ton périple si tu le veux bien. Pas non plus un plagiat de Sparks de Spyro. Mais tu entends cela? Ils ont dû te suivre jusqu'ici. Aïe. J'ai pris si cher. Je suis mort. Mais... Et en même temps c'est... Ils ont des dégâts si proches. Enfin... Plutôt, ils ont une bonne portée les ennemis. Ok, je peux quand même être assez loin. Je pensais qu'il fallait vraiment être très proche. Ça marche. Leurs lumières me reviendront. Cela, l'arbre aux esprits l'avait annoncé. Dans la clairière, au-delà des grottes, nous le trouverons. Il y a un chemin par ici. D'accord. Bon, rien. Je fais quoi là? Je suis où? Eh d'accord, oui. Non mais pour l'instant je veux rester là du coup. Je veux ouvrir les trucs que je pouvais pas ouvrir. Ou casser les trucs que je pouvais pas casser. Mais... Ah et voilà. Et là on discute. C'était pas loin. Je suis trop con. Mais allez, monte. Mais Guigui. Pourquoi elle remontait pas? Il. En vrai, je sais pas si c'est un garçon ou une fille. Yel. On va dire Yel parce que on est ouvert. Là-haut, tu peux pas toucher le truc. Et touche le truc là-haut. Bon. Je suis désolé, mais... J'ai gagné un point de compétence. Oh putain, j'ai eu peur. Parce que ça me perturbe. Qu'est-ce que c'est que ça? Les puits aux esprits sont d'anciennes structures utilisées jadis pour traverser rapidement tout Nibelle. La lumière des puits aux esprits te revigore également lorsque la fatigue te gagne. On peut sauvegarder donc. Et on peut se revigorer. Ah non, se téléporter. Mais j'ai aucun autre puits donc c'est de la merde. Mais au moins on sait que ça existe. On pourra revenir si besoin. Ah! Du coup, il y a peut-être des chemins qui m'ont été ouverts.
Hop. Mais non, mais saute, imbécile. Ok. D'abord, aller. Alors, RT. Hop. Même le pousser. Voilà. Donc là, il y avait un truc. Tu as trouvé une pierre clé. Les pierres clés permettent d'ouvrir des portes aux esprits. Chaque porte aux esprits nécessite un nombre de pierres clés précis. D'accord. Je suppose que c'est une bonne nouvelle. On va essayer de buter l'ennemi en haut là. Encore une pierre clé, trop bien. Par contre, on voit pas en bas, donc je pif. Okay. Ce portail aux esprits nous barre le chemin. Ces structures avaient été créées pour nous protéger avant le déclin. Les pierres clés dont nous avons besoin ne doivent pas être loin. Pour atteindre l'arbre aux esprits, il nous faut tout d'abord traverser les grottes mystiques qui se trouvent au-delà de ce portail. Attendez, je vais juste mettre mon point de compétence du coup. Pourquoi pas augmenter les trucs offensifs parce que là je sens que je suis un peu faiblard. Oui, voilà la différence. Oh, d'accord. Bosquet creux, c'était la destination que j'avais de disponible. Tu as trouvé un fragment d'énergie. Les fragments d'énergie régénèrent la puissance des cellules d'énergie d'Ori. Je sais pas ce que ça veut dire, mais je suis quand même ultra content. Ça, c'est une valeur sûre. Ouais, du coup, là, j'ai une cellule de vitalité. Très bien. C'est bien, je développe plein de trucs, j'ai l'impression de devenir super fort. Ok, bon. Je ne peux pas. J'ai bien compris. Les grottes mystiques, mais... j'ai l'impression que c'est pas par là que je dois aller. Mais on peut tenter, hein. Là, il faut deux clés. Ça. Je sais pas si ça dépop au bout d'un moment. Ok, bon, alors il y a un chemin par là. J'ai l'impression de devenir plus fort. Et là, boss de Dark Souls. Pas peur des boss de Dark Souls. J'ai fini les trois Dark Souls. Ori, ceci est une pierre carte, l'une des nombreuses bornes utilisées jadis comme point de repère dans la forêt de Nibelle qui ne cessait de s'étendre. Il en manque un morceau, si nous parvenons à trouver un fragment de pierre carte, nous pourrons peut-être la reconstituer. Mais j'en ai pas. Par contre, j'ai ça. Ah, là j'aurais sûrement un pouvoir pour aller dans l'eau empoisonnée à un moment. Je connais les jeux vidéo, moi. J'ai déjà joué à des jeux. Je sais pas si vous connaissez Fortnite. J'ai déjà joué. Je viens d'un... Oui. Je peux descendre. J'ai l'impression que je ne peux faire que ça du coup maintenant. Je ne peux faire que ça, et bien allons-y gaiement. Ouch. J'ai pris dans l'oignon. Okay. Il y a un dame près.
sauvegarde ici, ça paraît pas mal. Réutiliser les liens d'âme et réduire le temps. Ouais, mais ça c'est pas fou. Et ça par contre, c'est des trucs, franchement, ça a l'air grave cool. Le double saut, il est où? Ah non, mais double saut, en fait, c'est pas des compétences, double saut ou truc du genre. C'est des aptitudes, comme là, le fait de pouvoir attaquer, c'est un truc que j'avais pas au début. Bon, du coup, pour l'instant, je vais peut-être prendre juste ça. Ah, mais le truc qui s'affiche sur la carte, mais j'ai pas de carte, en fait. Certains gardèrent espoir, refusant ce destin. Alors même qu'elle les massacrait un à un. La lumière de l'arbre aux esprits brille en chacun de nous. Il nous a permis de vivre, de nous épanouir. Lorsqu'il y a tant d'années, il a demandé à ce que nous te retrouvions. Nous avons été attaqués, blessés, décimés par notre ennemi. Ennemi avec un E. Ne reste d'eux que ces arbres ancestraux. Approche et absorbe la lumière de fil, l'esprit qui gît à l'intérieur. Et là, j'ai le double saut. Ah non, saut de mur. Oh, on peut faire Mario. Trop bien, Mario. Vous connaissez les jeux vidéo, moi, j'aime bien. Ah non, mais mieux encore. C'est vrai que c'était juste se propulser comme ça. Tu as trouvé une cellule d'énergie. Tu peux à présent récupérer et consommer plus d'énergie. Utilise cette ressource pour créer un lien d'âme. Sauvegarder ta partie. Ah oui, j'ai deux boules en bas à gauche. Très bien. Aïe. Ah, il est pas gentil le méchant. Où je me fais toucher par ça. Ah mais du coup on peut quand même faire Mario, ça va. Regardez, hop. Très joli hein, ce jeu. Ah merde. Par contre, ce qui m'emmerde, c'est que du coup, si j'aime bien, y a un 2 qui est sorti. Fatigant, hein, les jeux, quand il y a des suites. Franchement. Ils sont pas obligés. Oula. Oula, c'est quoi cette merde? Un truc là. Et eh bah si. Ah là par exemple c'est le moment où il faut sauvegarder. Fou, fou, fou. Allez hop. Là j'attends. Et c'est y part. Alors oui. Oui mais. Truc là-haut là. On peut pas monter plus. Ouais. De carte, c'est bien pour pas tous retaper le chemin, mais c'était pas si nécessaire que ça. La carte, le fragment de carte, c'était pas par là, c'est par là. Preuve qu'une carte n'est pas forcément nécessaire finalement.
Il me faut une légende, voilà. Arbre ancestral, donc j'ai été là-bas à gauche. Il y a un brasier de lumière que j'ai pas pris sur la route. Là, en bas, on voit ma souris ou pas? Ouais. Okay. Donc là, je peux pas y aller parce qu'il y a de l'eau. Ça, c'est le truc de TP. Donc là, j'ai pris ça, ça m'a donné le pouvoir de sauter. Mais ça, j'ai pas pris. Ça, j'ai pas vu. Alors, j'ai vu, mais je pouvais pas l'atteindre. Au pire, de toute façon, tout ce qui est complétion, comme ça, on fera plus tard. Ça, c'est quoi? Lien d'âme. Ah, c'est les sauvegardes quoi, que je mets. Donc, on a fait toute cette partie-là. Donc là, on a plusieurs possibilités. Là aussi, c'est sous l'eau, ici. Là, je peux y aller, maintenant, ici. Là, j'ai pas cherché à y aller, mais de toute façon, il me faut 4 clés, donc c'est mort. Là, je sais pas si je peux y aller, mais dans tous les cas, bah, au pire, quand j'irai là, j'irai là. Mais ici, je peux... Alors, en gros, je peux aller soit là, soit... Peut-être là, je sais pas. Peut-être là, je sais pas. Peut-être là. Bon, on va aller aux endroits où on est sûr, hein, finalement. Ah ouais, mais là... Ça nécessite de faire tout ce chemin. Bon, du coup, d'abord, on va aller là. Ici. On va voir ce qu'on peut faire. Si on peut y aller, tant mieux. Si on peut pas y aller, on va essayer de voir sur la route. Et si on trouve rien sur la route, on ira là. Donc. Ok. Toujours hein, dans l'optimisation du trajet. Donc c'était là. 2. Alors là, par exemple, je peux ouvrir la porte. Est-ce que je vais le faire? Bien sûr. Le jeu est magnifique. Et les animations sont très jolies aussi. On va taper ça? Là, l'autre en dessous. Ça marche pas. On peut pas le tuer. Ouf. Et du coup, c'est la première fois que je joue à un jeu de plateforme Metroidvania. D'habitude, bon. Mais putain, mais monte. D'habitude, il y a un peu de plateforme dans les Metroidvania, mais pas à ce point-là. C'est quoi ça? Ces portails d'énergie ont été scellés par les esprits du passé. Si nous récupérons assez de cellules d'énergie, nous pourrons les traverser. D'accord. Bon bah là, pour le moment, a priori, c'est mort. Après, en vrai... Non, j'allais dire un truc, mais ça allait être faux. J'allais dire, ça fait longtemps que j'ai pas joué à un jeu de plateforme qui n'est pas old school. C'est-à-dire, par exemple... Crash, Spyro, ce genre de choses. Mais en vrai, c'est faux parce que... par exemple, A Teen Time, c'est un jeu de plateforme. Mais ils gardent la même formule. Enfin, ouais, plus ou moins. C'est quand même par niveau, mais c'est pas... C'est quand même assez ouvert, A Teen Time, donc. Ouais, mais après, en vrai, les jeux de... plateforme, purement plateforme, à part les jeux de ma jeunesse et quelques exceptions genre At In Time, bah, je connais pas, enfin, j'ai pas trop joué à des jeux récents de plateforme, genre Yooka-Laylee, ce genre de truc là, j'ai jamais joué, ils me trouvèrent inerte, immobile, accablé. Ah ouais, mais vous faites chier là avec les routes alternatives. Luffy Maori le récit de sa volonté dévoyée. Ça ne veut rien dire. D'ailleurs quoi dévoyée? Le jeu est beau, oui d'ailleurs j'hésite à me le prendre vu qu'il y est dans le Game Pass. Bah pour l'instant je te conseille du haut de mes 36 minutes de jeu.
Ori, l'arbre aux esprits, il a dû puiser dans le peu d'énergie qui lui restait pour te sauver. Approche, écoute notre histoire. C'était le soir de la cérémonie des lumières, comme elle abhorrait notre éclat. J'appelais en vain mon enfant pour que tu me reviennes, Ori. Mais non, mais je mangeais des pommes. En soudain. Oh la pute. Alors par contre, faudra m'expliquer pourquoi les corbeaux. Je suppose que c'est un corbeau, même si la tête est un peu particulière. Pourquoi ils sont ici toujours des méchants. Pour eux, c'était emparé de Seina, scellant notre destin ainsi. D'accord. Tu as reçu la lumière de l'arbre aux esprits. Notre sort est entre tes mains. Écoute-moi attentivement, c'est de la plus haute importance. L'arbre aux esprits alimentait les trois éléments de la lumière, qui à leur tour maintenaient l'équilibre de Nibelle et protégeaient la forêt. L'élément des eaux, à la cime de l'arbre de Ginzo. L'élément des vents, dans les profondeurs des ruines éplorées. L'élément de la chaleur sous la fournaise du mont Oru. Pour que Nibel retrouve toute sa splendeur, nous devons raviver leur lumière avant qu'il ne soit trop tard. La première se trouve par-delà les criques arachnides à la cime de l'arbre où jaillissaient autrefois les eaux. J'aime pas trop ça, criques arachnides. Mais non, du coup. Laissez-moi tranquille. C'est cool, du coup, j'ai accès à la carte. Très bien. Ah, mais c'est des murs destructibles. Donc là, à gauche, il y a un mur destructible. Où j'y aille. Ça, c'est... Ah oui, ça, c'est la carte. Sauvegardons. C'est parti. Il est là, effectivement. Ah bah, il est destructible, mais pas par moi, a priori. Attention, Ori, le sol est instable. Ah ouais, tu veux venir? Ah, le noob! Ah, mais il y a un truc là à droite. Au pire, moi je peux me retenir sur les murs. Pas folle la guêpe. Oh! Trop faible. Encore un truc que je peux pas casser. Mon dieu de bordel de merde. Après, coco, là je peux remonter, ça va. Ah ah! Le grand brasier de lumière. Oh, ça casse un truc. Alors, qu'est-ce qui permet de casser des murs, du coup? Augmenter la puissance. Pas écrit, y a pas écrit LOL, tu peux casser des murs avec ça. Et là,
Et là, je peux faire plus de dommages. Fuck, c'est pas suffisant. Pas grave.